Il est exactement 6h du matin. Voilà, on va prendre un petit café. Et il y a un shuttle bus qui est gratuit pour les passagers d'Emirates. Donc du coup, pour aller à Abu Dhabi, je ne vais pas prendre de taxi. Je me suis renseignée ici à l'information et tant qu'à faire, hein, on va profiter de ce service. Donc d'ici 15 minutes, on s'en va prendre le bus. Vous avez le métro qui est juste là, métro. Nous, on va se diriger vers les bus et shuttle. Allez les filles, c'est parti. Bien chargé, hein. Ok, ça y est, on y va. On est à l'extérieur, il fait frais, c'est un truc de dingue. Les filles, il fait chaud? Froid. Wow, il fait froid. On se croirait presque en hiver. Et on l'a trouvé, super, il est là. Cool. Coucou, après 2 heures de route, nous voici. Coucou. À Abu Dhabi, voilà, donc on est dans un taxi. On va donc chez ma copine. Et waouh, wow, c'était long, franchement ça a été long. Drop the ground. Et welcome to Abu Dhabi. Voilà, voilà, on a le désert pour nous tout seul. Ah. Hello. Coucou, coucou, hey, fais coucou, fais coucou. Les enfants, ils se sont éclatés, on est resté 40 minutes, ils ont couru dans les dunes. Franchement, c'est juste top, top, top. Ça fait du bien de se reconnecter avec la nature. On vient de visiter le Heritage Village qui est sympa, ça vous permet d'apprendre un peu par rapport à la culture, aux traditions. Voilà, il y a pas mal de touristes, c'est quand même touristique, c'est gratuit. Et vous avez une petite plage sympa avec une jolie vue. Coup, dernière visite de la journée, Qasr al-Watan, qui est... Vous allez voir les images. Les images vont parler d'elles-mêmes, incroyable. Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, hier j'étais trop fatiguée, donc du coup on va récapituler. Alors hier on a passé une superbe journée, donc comme je vous disais, on a fait quoi? On est arrivé à Abu Dhabi, on a fait le désert, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la corniche, l'Heritage Center,
Oui ma chérie, donne. L'Heritage Center, oh, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le palais qui était magnifique. Donc voilà en gros pour la journée d'hier. Ensuite, on est rentré doucher les enfants et j'étais KO puisqu'il y a quand même un décalage entre... Enfin, il y a quelques horaires... Je crois qu'on a 3 heures de différence entre Singapour et ici ou un peu plus. Donc du coup, bref, on était crevés. J'ai dormi hyper tôt. Donc là, il est 8 heures du matin. Les enfants sont prêts. Moi, je viens de repasser donc Marabaya qui est la direction, la grande mosquée d'Abu Dhabi. Donc on va aller visiter la grande mosquée d'Abu Dhabi, puis le musée du Louvre. Donc voilà pour le programme. Et ensuite ben, on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas ce sont les deux vraiment activités que j'avais envie de faire. Ben, c'est parti, on va se préparer et on va y aller direction la mosquée. D'amour, mon petit bébé d'amour. Donc voilà, je suis quasiment prête. Les filles, t'es prête Rania? On va où là? On va où? La mosquée. Oui, on va à la mosquée. Haroun il est où? Non Haroun, ça va pas la tête? Tu frappes pas? Go, go Zal, go Zal, go go go. J'ai échangé, je lui ai mis une petite abaya, Maliam elle est en train de jouer. On y va les filles, c'est parti. On y arrive, regardez les filles, la mosquée, vous avez vu? On est en voiture, on est arrivé à la mosquée du Cheikh Zayed. C'est Zayed hein? Zayed, le Cheikh Zayed. On est arrivé à la mosquée donc du Cheikh Zayed. Il y a plein d'entrées, il y a plein de portes différentes. Donc là on doit prendre la porte numéro 6 qui est... c'est gigantesque hein, franchement c'est gigantesque. Bah écoutez, on va revisiter cette mosquée. Écoutez, il y a un parking au sous-sol maintenant puisqu'on ne peut plus se garer près de la mosquée. Donc on va se garer. J'espère que c'est pas trop loin. On va prendre les poussettes pour mettre les petits. Et on va y aller. Donc ça c'est tout nouveau. C'est une galerie avec des magasins et tout. Donc ça c'est nouveau en fait maintenant quand pour accéder à la mosquée apparemment vous devez passer par là. Voilà. Bon. C'est vraiment tout neuf. Il y a encore toute cette partie là qui est en rénovation. Enfin pas en rénovation, en construction plutôt. Regardez-moi ces robes comme elles sont jolies. Des cadres, des tapis, bref. Oui, le dress code, hein. Pas de jupe, pas de pantalon. Voilà, donc il faut vraiment être en longue jupe, long pull, abaya. Attendez, c'est quoi la différence entre... Ah oui, voilà, le pantalon. Là, il est serré, là, il est large. Pour les visiteurs, il faut un ticket. Voilà, vous remplissez un petit truc avec votre nationalité, où est-ce que vous habitez, etc. Voilà. Quoi d'autre Bah c'est tout. On va y aller, hein. Bah du coup, là, ça fait de la marche. Il fait super bon, en tout cas. Voilà, ça y est, écoutez, on y est. Cinnabon, on va manger un petit bout et ensuite on va continuer. Bon. On est de nouveau en voiture. Direction le musée du Louvre et il y a une tempête de sable. C'est juste qu'on voit plus les bâtiments. On va dire que la visibilité n'est pas bonne, mais sinon à part ça. Hier on a eu une journée exceptionnelle. Hein. Exceptionnel, mais bon, ça va. On va dire que les deux visites d'aujourd'hui ce sont des visites en intérieur, donc ça passe. Voilà, bah écoutez, la mosquée c'était bien, mais énormément de monde, et c'est vrai que on a moins accès à celle-ci en fait. La salle de prière, il y a plein de. En fait, ils ont vraiment, on va dire, fait un petit itinéraire que vous devez suivre avec des spots photos. Donc, du coup, c'est vrai que c'est. Voilà, c'est différent, mais bon, elle est toujours aussi belle en tout cas. Voilà. Toilette, petite pause toilette avant le musée. Ça c'est important quand vous avez des enfants, avant de commencer une visite, ou en tout cas dès que vous pouvez, vous les ramenez aux toilettes pour éviter les mauvaises surprises et surtout, vous voyez, quand vous commencez à visiter, vous ne trouvez pas de toilettes et qu'ils sont là, ah maman, pipi, pipi, donc voilà.
14h14. Voilà, on est en train de rentrer. On a fait le Louvre rapidement, puisque les enfants étaient un peu fatigués. Donc là, on va rentrer, on va manger un petit bout et ensuite on verra ce qu'on va faire. Time to eat. Du coup, on mange indien. Ça, c'est un biryani. Et la sauce, ça, c'est quoi comme sauce? Le poulet là? Tikka masala, donc indien. Et recoucou, voilà, bah écoutez, on va sortir, on va aller au parc, on va se rendre dans un parc. Je me suis changée vite fait, on a prié, on a mangé, on a changé les enfants. Et bah écoutez, c'est parti, let's go. On va aller au parc anciennement appelé Mushrif Park et maintenant c'est Umm Al Imarat. C'est un parc qui est payant? D'accord, pas d'attraction, hein. C'est vraiment un parc familial, on va dire. Familial avec les grandes, un mini zoo. Ah, ok. Un cinéma en plein air le week-end. Ah, sympa. Ok. Bon, voilà, bah écoutez, on va découvrir. Et ce sont les locaux souvent qui viennent? Non, il y a de tout. Il y a de tout, ok. Voilà, bah écoutez, on va faire un petit tour dans ce parc. On va voir à quoi. Et surtout, on va laisser les enfants se défouler. Hein. Les enfants, vous allez pouvoir vous défouler. Vous pouvez courir. On a le parc pour nous tout seul, presque. Coucou, coucou, voilà, on arrive à la fin de ce vlog à Abu Dhabi. Oui, on s'est douché. Donc là, on a préparé les affaires puisque demain, on prend le bus pour Dubaï. Oh, mon amour, on va manger marocain ce soir. Tagine et couscous commandés. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite à Dubaï. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Voilà, nous sommes lundi, direction la gare pour prendre le bus pour Dubaï. Donc on a 1h30 de route, 2h, 1h40 de bus. Voilà, on se retrouve à Dubaï pour une petite semaine là-bas.